Chers amis, si aujourd'hui nous voulons conquérir notre souveraineté, nous sommes dans les temps propices. Les forces qui se sont levées depuis les 3 dernières années nous en ont donné l'occasion, nous permettant d'affermir en nous ceux qui cherchent la vérité et la joie, ceux qui demeurent en paix, quelles que soient les circonstances intérieures ou extérieures. Nous sommes des énigmes pour nous-mêmes, et pourtant nous détenons les clés de notre propre royaume. Cependant, ces clés sont enfouies au fond de notre être et voilées par les multiples couches éducatives et sociales de bien-pensance et de bien-séance qui nous ont été inculquées. Lorsque notre cœur aspire à réaliser quelque chose, nous cherchons souvent une légitimité extérieure alors que le cœur seul est légitime. Beaucoup s'inquiètent d'être reconnus, acceptés, valorisés, oubliant par là même que personne d'autre que nous-mêmes ne peut valider nos choix et nos attitudes. Nous croyons avoir besoin de diplômes, de formations, de coaching. La vie distribue-t-elle des diplômes aux plantes pour les autoriser à produire leurs fleurs, leurs fruits, leurs semences? Les oiseaux ont-ils besoin de suivre une formation pour apprendre à voler de leurs propres ailes? Je vous dis cela car beaucoup pensent ne pas avoir les qualifications requises pour se lancer dans l'activité qui les fait vibrer. Le cœur est pourtant le siège de toutes nos légitimités. Nous vivons actuellement sur le seuil, entre deux airs qui se chevauchent, celle qui commence à refluer et celle qui apparaît peu à peu à notre conscience. Celle qui commence à refluer est toute contenue dans des lois et des règles extérieures qui nous demandent de nous conformer à ce que nos pères considèrent comme juste et acceptable. Nos pères sont les autorités qui dictent les règles. Le père, le patron, l'homme de loi, le médecin, l'État, ceux qui s'arrogent la prérogative de savoir ce qui est bon, ce qui doit être fait, ce qui doit être respecté et qui attendent d'être obéis. Si le tuteur paternel est nécessaire chez l'enfant, il devient déplacé chez l'adulte, car comment se montrer responsable et autonome lorsqu'on se conforme sans s'interroger? Avons-nous besoin d'une autorisation pour être ce que nous sommes? Ne sommes-nous pas légitimes dès lors que nous suivons la voie de notre cœur? Avons-nous besoin encore de l'aval d'une quelconque autorité extérieure pour suivre ce que nous savons être juste et vrai pour nous-mêmes? Certes, la souveraineté individuelle demande du courage, de la volonté, de la persévérance, de l'engagement, parce qu'elle se heurte inévitablement à l'incompréhension, celle des proches, celle du regard des autres, celle de la société, parce qu'elle nous confronte à nos propres limites, à nos peurs, à nos doutes. Elle appartient à l'air qui commence à poindre, une aube prête à se déployer et à dispenser ses chauds rayons. Il est possible que nous ne la percevions encore que trop peu, mais elle est certaine, aussi certaine que le soleil se lève au bout de la nuit. Elle nous lance le défi d'oser être nous-mêmes, malgré le poids des règles
et des coutumes. Elle est l'appel de la vie à elle-même, l'appel à l'éclosion de la semence que nous portons en nous, et cette semence est tout entière contenue dans notre je. Pour conquérir notre souveraineté, nous aurons à traverser l'épreuve de l'isolement et le poids de la solitude, le dénigrement et le jugement peut-être, les oppositions ou, pire, l'indifférence. Cependant, on ne peut être souverain sans aiguiser son courage et son discernement sur la pierre à affûter des aléas de l'existence. Ainsi, ce n'est pas parce que nous sommes incompétents que se dresse l'obstacle, c'est parce que nous avons à découvrir que nous sommes compétents et à nous le prouver que l'obstacle se présente. Il devient alors le levier de notre transformation. Il s'agit de retourner notre perception de la réalité afin de voir en elle des opportunités au lieu d'insurmontables difficultés. La souveraineté est notre essence profonde, même si nous pouvons en douter. Que nous soyons habillés élégamment ou en guenilles, nous sommes toujours la même personne. Dans chacune de nos respirations, nous sommes la même personne. Et plus nous respirons avec conscience, plus nous éveillons ce que nous sommes en essence. En effet, l'attention à notre souffle est un élément d'individualisation. Tant que nous respirons inconsciemment, nous sommes sous l'influence des forces collectives et biologiques, sous l'influence des énergies de l'espèce. Respirer avec conscience, c'est permettre à notre individualité de s'extraire de l'espèce en tant qu'être autonome, en trouvant notre rythme et ainsi cultiver notre spécificité. Le souffle conscient est la première étape vers la souveraineté. L'écoute est la deuxième étape, une écoute qui passe par l'observation attentive de nous-mêmes, de nos comportements, de nos habitudes. La simple observation, non pas le jugement ou la critique, juste l'observation avec détachement. Observer, c'est donner l'opportunité au témoin en nous d'émerger. Notre je est l'observateur, le témoin désintéressé et impassible qui observe à travers nos yeux la vie et la multiplicité de ses manifestations. Lorsque par le souffle et l'observation détachée, nous nous donnons l'opportunité de laisser émerger le témoin, notre je, nous pouvons connaître des instants de paix profonde et un sentiment de perfection qui, tous deux, nous échappent en temps ordinaire. À vrai dire, nous ne pouvons pas éveiller notre je. C'est lui qui se révèle à nous. Tout au plus pouvons-nous cultiver les meilleures conditions afin qu'il se révèle et nous saisisse l'espace d'un instant. Et quelle félicité durant cet instant. Être souverain est une attitude à cultiver au quotidien, sans attente, sans désir, sans pression, sans exigence, mais avec une détermination douce,
et une attention renouvelée. Être souverain est un choix de vie et une responsabilité prise face à notre existence et devant le monde, sachant que le monde s'efface sous le regard du témoin, sous le regard du jeu. Être souverain consiste à prendre l'entière responsabilité de ce que nous faisons, de ce qui nous arrive, sans blâmer qui ou quoi que ce soit. Et c'est là sans doute que l'exercice s'avère le plus difficile, car nous préférons pouvoir accuser l'extérieur plutôt que de transformer alchimiquement l'intérieur. Cependant, c'est en accusant l'extérieur que nous perdons notre souveraineté, car ce faisant, nous lui remettons notre pouvoir. Une jeune femme ayant été violée disait à son médecin qu'elle était responsable de ce qui lui était arrivé. Non pas responsable des causes du viol, mais responsable des conséquences de ce qu'elle en ferait. Il faut une force morale exceptionnelle pour voir les choses de cette façon. Renoncer à haïr ou à se laisser détruire et se tenir debout malgré tout. Ce faisant, cette jeune femme exprimait là toute sa souveraineté. Être souverain ne signifie pas une vie plus facile, bien au contraire. Pour que le grain soit libéré, l'épi doit être broyé. Devenir souverain signifie devenir fertile, se laisser ensemencer par chaque expérience de vie et se montrer capable d'exprimer de la gratitude, même pour les coups du sort les plus pénibles. Voilà sans doute la raison pour laquelle beaucoup préfèrent suivre les règles établies et obéir à des autorités extérieures. Chers amis, devenir souverain est pourtant bien accessible. C'est comme un muscle que nous avons à entraîner sans nous laisser décourager. C'est peu à peu, au fil de nos expériences et en remettant sans cesse notre ouvrage sur le métier, avec cœur et foi en nous-mêmes, avec la joie d'apprendre, que nous conquérons notre souveraineté. Alors, de plus en plus souvent, nous serons saisis par notre jeu et nous nous révélerons à nous-mêmes dans sa pleine lumière.